Bonjour à tous, on est samedi après-midi. Je voulais vous montrer, puisqu'en fait là je suis au bureau avec les filles. Alors là, il y a Lilou à côté de moi, mais tout à l'heure il y avait Lucie ou Lola. Et on a fait des cartes. Alors, je vais vous montrer celle-ci déjà. Ça c'est, bah, vous les verrez en tuto, puisque celle-ci, j'en ai fait deux dans ce style en tuto, donc voilà. J'ai fait aussi le tuto pour faire les petites rosaces comme ça, enfin, ou les petites fleurs, je sais pas comment on appelle ça. Avec que des ronds faits à la perforatrice, voilà. Celle-ci, c'est celle que, enfin, celle-ci, je vais l'envoyer à ma grand-mère, donc je vais la garder pour moi. Et les autres, en fait, on avait fait des cartes pour ben, les personnes âgées du village, vous savez, qui les distribuent. On a croisé la dame qui distribuait, elle nous dit qu'il n'y en avait pas assez. Du coup, moi, je lui avais dit, si il y en a pas assez, vous me dites, je referai. Donc, on a Lucie qui nous a fait celle-ci avec la petite gorge rousse. Elle a piqué une fleur en jean, là, que j'ai fait avec les chutes de jean des filles. Un petit tag, c'est marqué petite parenthèse de bonheur. Et donc, c'est un fond qu'on avait acheté, les fonds de cartes d'action qu'on avait acheté cet hiver au moment de Noël. Donc, voilà, elle a fait sur bleu et gris un peu. Moi, j'ai fait celle-ci que j'ai aussi fait en tuto. Alors, attendez, je vais vérifier qu'il a l'enveloppe avec, parce qu'en fait je les mets avec les enveloppes et ensuite c'est quelqu'un d'autre qui fait qui les écrit, qui les distribue. Donc voilà, là c'est marqué c'est le printemps. Bah, là j'ai utilisé les chutes de l'autre carte. C'est que des chutes de papier, voilà, avec du livre plié comme ça et assemblé pour faire comme une petite rosace, un petit nœud, voilà. J'ai fait aussi celle-ci. Donc c'est marqué postcard, c'est mes petites cartes là que j'aime bien, juste un petit coucou. Un petit nœud, un petit peu de dentelle, voilà. D'ailleurs, cette dentelle, je l'aimais beaucoup, mais j'en ai plus. Donc, on en a trois cartes. Quatrième carte, c'est celle-ci. J'avais fait ces petits fanions, là, quand Evensy Scrap avait fait le tuto. Et du coup, je me suis dit de la mettre sur une carte, comme ça pouvait être sympa. Alors, je l'ai attachée avec une attache parisienne, en fait, la ficelle, pour qu'elle tienne. Et voilà, j'ai mis deux, trois ronds, comme ça, avec un demi-cercle ici, juste un petit coucou. Un petit peu de... C'est comme du tissu, voilà, mais qui s'effiloche tout au bout et tout, j'aimais bien. Donc celle-ci est dans les tons rose et marron. On a Lilou qui nous a fait celle-ci, c'est marqué pareil, juste un petit coucou. Elle colle les choses en 3D, là, des blocs qu'on a, ou des fins de blocs qu'on a, voilà, elle recolle les choses, tous les petits trucs en 3D. Je lui ai collé le petit nœud, ben, en pistolet à colle, tout ce qui est petit nœud, tissu et tout, c'est moi qui colle au pistolet à colle, mais tout le reste, c'est elle qui l'a fait, même les fonds de cartes. Donc voilà. Ensuite... Ouais, t'es en train d'en faire un autre, mais prends ton temps, c'est pas grave, au pire, on les montrera demain ou ce soir. On a Lucie qui nous a colorié cette magnolia qui est trop rigolote. Pareil, on a mis juste un petit coucou qu'elle a maté sur une petite chute de papier. Je vais coller le petit nœud et à l'arrière, elle a collé l'espèce de petit tissu, la rose, voilà. On a sorti deux, trois choses, on utilise ça et on fait diverses cartes avec de divers styles. Donc voilà. Donc ça nous fait, je sais pas, une dizaine de cartes, je crois. Une, deux, trois, quatre. 5, 6. Lilou est en train d'en faire une autre. Et moi, j'en avais préparé de quoi en faire une vingtaine. Mais je sais pas si je vais faire les 20 aujourd'hui ou pas. On voulait aller au jardin, mais je sais pas. Parce qu'un coup, il pleut, un coup, il fait beau. Moi, je me suis déjà préparé, voilà, les fonds de cartes. Enfin, j'ai fait les fonds sur les cartes, quoi. Sur les bases de cartes que j'ai préparées. J'ai préparé une vingtaine de cartes tout à l'heure. Et je vais continuer à faire mes fonds et tout. Et puis, au fur et à mesure du temps, quand j'ai un peu de temps, voilà. Bah, je me mettrai au bureau et j'en ferai quelques-unes. Je me suis fait aussi les tamponnages. Alors, je vais vous montrer. Moi, je me fais des grandes planches de tamponnage comme ça avec des petits mots. Donc là, on a coucou et petite parenthèse de bonheur. En fait, j'ai utilisé les fins de... Les chutes des cartes stock ou des luxe paper book. Voilà. C'est un peu cartonné, mais pas trop. Mais ça va bien pour mettre mes sentiments vu que je les mets après sur un autre papier. Comment? Pour faire un matage et j'en ai fait une autre planche comme ça. Donc voilà, j'utilise ça parce que j'ai plus trop de papier blanc épais. Mais franchement, ça va bien pour faire les tamponnages. Ça rend propre à la Versafine. Je peux vous montrer, les tamponnages, ils sont propres quand même et tout. Après, je coupe autour. Alors, soit on coupe, soit je coupe ça au massicot, soit avec Lucie, on a fait ça avec le. Comment? Elle a fait ça avec le ciseau cranteur, comme ça aussi, ça rend sympa. Et au moins ça fait assez droit quoi. Comme l'image au début elle l'avait découpée, mais comme c'était pas très droit, je lui ai dit ben prends le ciseau cranteur, ça fera plus joli, puis ça fait plus droit. Donc voilà, des ciseaux cranteurs c'est pareil, on en a plein. Ceux-là je les ai depuis des années, je crois que je les ai depuis que j'ai l'âge de 16 ans. Et en fait ils sont bien parce que c'est des... Comment dire? On retire les... Alors, je sais pas si je vais arriver à vous montrer sur celui-là, sans casser les trucs. Donc en fait on les retire. Et j'ai tout un, je dois en avoir une vingtaine de lames comme ça et j'ai deux paires pour faire les ciseaux quoi. Du coup on peut avoir plein de motifs différents. Bon voilà. Et ça à utiliser avec les enfants, du coup c'est super parce que voilà, c'est eux qui peuvent faire tout seuls, vraiment c'est l'idéal. Ouais, c'est tout dans une.
Après, je vous montre. Bon, on en a d'autres qu'on a achetés qui sont complets, comme celui-là qui fait des plus grosses vagues. Et après, franchement, j'y ai mis dans le tiroir là en bas, mais je vous montre. On a tout un tas de modèles différents. Voilà, il y en a vraiment 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ouais, les bourrons ronds, ils partent. Voilà, alors, à force qu'on les use, parce que je les ai même trimballés au centre de loisirs et tout quand j'étais animatrice, ces ciseaux-là. Voilà, j'ai les petites capsules roses qui sont là, qui partent. Mais honnêtement, ça n'empêche pas d'utiliser les ciseaux. Et en fait, ça tient toujours bien. Hein. C'est juste, voilà. C'est un peu moins esthétique, mais ça marche. Donc, on peut y remettre. Bah, si tu veux y remettre, on peut y remettre, mais ça va se ressouvrir. De toute façon, ça tient plus trop bien depuis le temps. Mais bon. Voilà, voilà. Donc voilà, pour notre petite occupation là de cet après-midi, quoi. T'as fini? Ensuite, ouais, mais... là, je vais mettre juste un petit coucou, un petit mot, un petit sentiment. Et là, un petit nœud. Un petit nœud, tu as un petit nœud, quelle couleur? Bon... Oh, ça suffit de piquer mes nœuds. Je vais plus avoir deux nœuds avec cette histoire. J'en avais fait 350 et encore, elle me les pique tous. Allez, tu le veux où ton nœud? Moi, je te colle le nœud comme là. Ça. Au-dessus, ok. Attends, enlève-toi, je vais coller le nœud et je vais... Voilà. J'en avais préparé aussi avec des restes de ruban des nœuds. Hein. J'en ai préparé toute une... Tout un tas. Je sais pas, je dois en avoir une quinzaine ou une vingtaine de nœuds. Ouais, ben non, je peux pas le coller, faut brancher le pistolet, attends. Bon, bah, on vous laisse et on vous reprend après, parce que là, sinon, ça va pas être très pratique. À plus tard. Coucou à tous. On est samedi, il me semble. Ouais, samedi 2. Et du coup, on a passé l'après-midi au jardin, ça fait trop du bien. Bah, là, je sors de la douche, je me suis mis une robe comme ça, là. Parce que franchement, il fait lourd ce soir. Je sais pas si ça va faire de l'orage ou quoi. On savait pas trop si on allait y aller, parce que depuis ce matin, ça fait gris, ça fait des averses, bon... Et là, vers 3h, par là, on s'est dit, allez hop, on y va. Bon, ben, il est bientôt 7h, on est resté 4 et 3, 7. Ouais, ben, à peu près 3-4 heures là-bas. Ouais, 4 heures. Ouais, on est resté 4 heures au jardin. On a bien avancé. On a fait deux tipis pour mettre des haricots rames qui grimpent dessus de chaque côté. Au centre des tipis, on a planté des épinards. Un autre, on a planté des betteraves et on mettra un pied de tomate. On a planté quoi, des radis et des salades aussi. Donc voilà, on est content, on a pu planter les premières choses au jardin et tout. Et franchement, on a fait une bonne ligne où on a tout retourné la terre, vraiment, on a gratté, on a enlevé plus de mauvaises herbes possible et tout. Et je pense qu'on fera comme ça, on fera par ligne en fait, voilà. Pour vraiment, comment dire, essayer de planter les choses au fur et à mesure et aussi essayer de dégager ce terrain au fur et à mesure parce que c'est quand même... Enfin, la dernière fois, on a déjà bien bossé, hein, faut pas dire. On avait déjà bien avancé, heureusement. Mais c'est quand même un peu le bazar, quoi. Et puis, on a replanté aussi les basilic à Lilou, là, qui étaient tous dans le petit carré de semences. Donc, on en a mis une partie au jardin et on en a mis d'autres dans des bacs diverses et variés. J'ai même des pots de... des briques de jus de fruits ou des bouteilles en plastique que j'ai coupées pour faire des godets, parce que moi, j'ai pas de godets. Là, c'est sur le bord de la fenêtre, c'est pour ça que je regarde la fenêtre pour l'instant. Du basilic, j'aimerais bien en avoir un peu là à la cuisine, puisque voilà, quand on cuisine, c'est plus pratique, ou même là sur la fenêtre dehors, quoi, enfin voilà. En avoir juste là à côté, j'ai pas besoin de courir au jardin spécialement pour deux feuilles de basilic. Donc voilà. Après, ça nous a fait du bien d'être au jardin, franchement. On a eu un peu de soleil entre deux nuages, quoi, mais il n'y a pas plu, donc déjà c'était bien. Et puis voilà, quoi. Les filles, ça leur permet de s'extérioriser, tout, enfin voilà quoi. Vraiment, c'est top quoi. Du coup, ben après, on verra bien au fur et à mesure du temps quoi. Et là, la personne avec qui on partage le jardin, il disait que demain, il voudrait aller acheter quelques pieds de tomates ou de courgettes, je crois. Enfin bref. Enfin voilà, pour planter, parce que, comment dire. Parce que lui aussi, il voudrait participer quand même quoi, parce que c'est un. Enfin, lui, il est seul, quoi. Et nous, on est une famille, mais lui, il veut quand même mettre la main à la pâte, voilà. Après, comme on lui a dit, voilà, ce qu'on a semé, il peut récolter aussi, hein, parce que c'est nous qui avons semé, qu'il n'a pas le droit de récolter des haricots s'il veut. Enfin, je veux dire, si on plante pour 5, on plante pour 6, hein, faut pas être stupide, quoi. On partage le jardin, on partage la récolte, on va dire, voilà. Sachant que nous, on est 5, on va prendre une plus grande partie que lui, parce que, voilà, y a plus de monde à nourrir, on va dire. Mais après, si lui, il en prend aussi, enfin, moi, ça ne me dérange pas, et voilà, vice-versa, quoi. Je pense que c'est ce qui est le plus intelligent à faire, de toute façon, voilà. Sinon, ben voilà, on a passé une bonne journée, je suis quand même fatiguée.
Bon bah du coup j'ai bien scrappé en début d'après-midi. Enfin après on a fait le jardin jusqu'à maintenant. Là j'ai un peu mal au dos, je suis un peu fatiguée. Enfin voilà. Je me suis mis avec un haut de maillot de bain parce que franchement il fait une chaleur. Par contre ça fait super lourd et en petite robe d'été quoi. Je sais pas s'il va faire des orages ou ça va rester gris comme ça cette nuit. Enfin, mais ça fait lourd. Donc voilà. Et sinon ben c'est tout. De toute façon on vous reprendra plus tard je pense avec Ludo et les filles. Enfin, Ludo vous dira un peu plus sur le jardin et puis voilà. Je sais pas ce qu'on va manger ce soir parce que j'ai rien préparé pour le moment. Et franchement je suis pas motivée. Parce que j'ai mes courgettes à faire. Faut savoir que les courgettes, bon là j'ai les 14 kilos de courgettes, il faut que je filtre uniquement le jus pour pouvoir cuire le jus. Donc là on va bien se marrer pour faire ça. Enfin voilà. Bon, ouais, on va tenter de faire les courgettes. Et je vais regarder ce que je vais faire à manger. Je sais pas, j'ai des trucs congelés, de toute façon on va manger un truc du congélateur, puisque voilà. Enfin quand je dis des trucs congelés, c'est pas forcément... C'est pas des plats tout faits, hein, parce que j'en achète pas beaucoup. J'en achète de temps en temps. Hein. Mais là, je crois qu'il y a rien en plat tout fait, j'en ai pas. Mais je sais pas, on va manger un gratin ou un truc comme ça que je vais décongeler. Ou je sais pas, je vais regarder ce qu'il y a au congélateur et on verra. Sinon, la semaine prochaine, je pense que je vais aller en course. Parce que là, bah, on a à nouveau plus beaucoup de courses, quoi. On n'a plus rien dans le frigo, pratiquement. Voilà quoi. Si on avait commandé quoi comme légumes, il reste quoi, les pommes de terre? Ouais, en légumes de ce qu'on a commandé, je crois qu'il reste que les patates douces et des tomates. Donc voilà. On va pas vraiment faire un repas, enfin on va pas faire 10 000 repas avec ça. Donc voilà. Et 2-3 courgettes. Tiens d'ailleurs, je vais peut-être faire des courgettes farcies, on en avait envie. Je pense que ce soir on va faire ça, des courgettes farcies avec du riz. Ouais. Du coup voilà, ça sera le repas de ce soir. Bon, en réfléchissant, c'est bien, j'ai trouvé ce que j'allais faire. Donc voilà, et la semaine prochaine, il faudra que j'aille en course. Soit moi, soit Ludo. De toute façon, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est voilà. Lui, des fois, il y va et des fois, c'est moi qui y vais. Ça dépend. Après, en début de mois, généralement, c'est moi qui y vais parce que moi, je vais à Aldi et je fais les courses du mois. Tout ce qui est riz, pâte, sucre, papier toilette, lait, tous ces trucs-là, je remplis le chariot, quoi. Je fais un vrai chariot. Et puis après, quand il manque quelques trucs, ben, Ludo va faire le réapprovisionnement, on va dire. Quand il faut juste quelques yaourts, du fromage, voilà. Donc voilà, mais je pense que là, enfin je sais pas, on va voir qui ira en course, mais il va falloir aller en course la semaine prochaine. Donc voilà. Bon allez, je vous dis à plus tard et voilà, à tout à l'heure. Voilà, je vous montre, c'est comique, Ludo essaye de racler le sucre qui est au fond de la caisse pour faire cuire le jus. Il me fait trop rire. Et en fait, ça en fait un plat, un autre là, il y en a un autre encore derrière. Ça fait 16 kilos, on a fait. Donc voilà, et demain on doit tout mettre en bocaux. Donc on a déjà commencé à stériliser les bocaux parce que franchement, il y a 3 tonnes de bocaux, je vais vous montrer. Il nous reste ceux-là à stériliser parce qu'en plus on est obligé de les stériliser à la casserole. J'ai plus de la vaisselle évidemment. Et là on a stérilisé tout ça, on les a mis sur une serviette propre, on les a tournés. Et comme ça après demain on pourra mettre directement les courgettes dedans et tout. Je sais pas, on a l'impression qu'on a ouvert un restaurant. Quoi? Un restaurant. Ah oui, sinon je voulais vous montrer aussi, on a changé la cuisine de place. Du coup, on a mis le frigo en face du congélateur, parce qu'à base c'était un espace perdu. Et avec des meubles, on a fait 2 minutes, s'il te plaît. Attends, assieds-toi et attends 2 minutes. Je te réponds après. Et du coup, là, on a fait, pour mettre le robot, la machine à pain et le four. Parce que ça faisait un espace perdu, et du coup, ça nous ragrandit comme ça le passe-plat. Donc voilà. Bon, bah, à plus tard. Bonsoir à tous. Alors là, Ludo va pas se retourner, j'ai déjà fait le coup tout à l'heure. En fait, il joue à son téléphone en même temps, c'est pour ça. Ben, on vient faire le retour de la journée. Du coup, voilà. Ben, moi, je suis fatiguée ce soir. Je crois que ça nous fait du bien de prendre l'air, en fait. Ouais, fatiguée en regardant. Sans j'ai mal, moi. Ouais, voilà. Ça nous a fatigué. Bon, en plus d'être en plein air, ça fait du bien, quoi. Non, mais à savoir, hein, en même temps, on fait le jardin, mais il y a 20 kilos de courgettes dans tout aussi. Hein. Oui, bah non, mais demain, alors demain, je pense qu'on ira pas au jardin, parce qu'en fait, il faut qu'on mette tous les... faut qu'on finisse de stériliser nos bocaux. Et on doit mettre toutes les cour... on doit faire cuire les courgettes et toutes les mettre en bocaux. Donc demain, on ira pas au jardin. C'est obligé, à un moment ou à un autre. De... Si ça ne veut pas se tenir, c'est obligé. Ah oui, pour arroser. Au pétard. Bon, non, je regarde dehors s'il pleut, on sait jamais. Ça pourrait m'arranger. Ça va plus toute la semaine, là qu'il pleut pas, on veut qu'il pleuve. Parce qu'en fait, on a planté des trucs là sans en fin d'après-midi, on s'est dit, bah, pourvu qu'il pleuve, au moins ça y arroserait.
Mais je crois pas qu'on a misé sur la bonne solution, il fallait y arroser. Hein. Enfin bref. Ça va être un peu compliqué, je pense. Bon, du coup, Ludo ira au jardin arrosé, certainement, ou moi, mais voilà. On n'ira pas tous ensemble et on n'ira pas pendant 3 heures de temps, parce que d'abord, on a plein de choses à faire. Pardon, à la maison, il faut aussi que je prépare les cours des filles pour lundi. J'ai déjà tout reçu, ça y est, la maîtresse m'a tout envoyé. Elle est bien, la maîtresse du Lucie Lou, elle nous y a envoyé hier dans la journée, je crois. Donc, soit le enfin là, c'était le vendredi, parce que c'était férié, ou sinon le samedi. Elle nous y envoie régulièrement. Et du coup, là, faut que j'y imprime et que j'y trie demain aussi. Donc, sérieusement, non, moi, je vais pas au jardin demain, en tout cas. J'ai trop de travail à faire à la maison. Il faut qu'on fasse un grand coup de propre à la maison. Enfin, tout, quoi. Confinement ou pas, attention, il y a toujours un millier de choses à faire. Bah, de toute façon, voilà, quoi. Oh, puis même les courgettes, vous voulez les faire. Pour pas les perdre, enfin voilà, il y en avait une bonne partie qui était déjà abîmée et qu'on a dû jeter des morceaux. Parce que en fait, quand je coupe mes courgettes et tout en petits carrés là, moi c'est des carrés. Ouais, enfin, quand je les coupe, mes courgettes, en même temps, j'enlève tout ce qui est abîmé et tout. Et là, comme il y avait déjà une partie d'abîmée, je voulais pas acheter ben, encore plus de courgettes. C'est pour ça qu'on a tout fait tout de suite aussi. Pas vrai? Enfin, du coup, voilà. Et puis on sera fait ça sur 3 jours et puis 4 jours et puis c'est bon, au bout de 4 jours c'est terminé, on a fait des bocaux. Après, je sais pas, va falloir que Ludo il invente des étagères pour ranger les bocaux. De quoi? Ça va être du vieux. Ça va être du vieux, ouais. Il y a plein de gens que je connais, on peut en donner plein. Mais c'est ça, ouais. Bien sûr. On va en donner plein, mais pas trop quand même, parce que je compte en manger. Hein. Ouais. Je suis content de garder, enfin voilà. Déjà, on va me donner à tous ceux qui nous ont donné beaucoup. Hein. Oui, voilà. Il faut que je donne la recette. Alors, il faut que je retrouve ma recette puisque je ne l'ai pas retrouvée. Ça, c'est bizarre, tous ceux qui ont goûté, ils veulent tous la recette. Ouais, voilà. Parce que nous, on a troqué des bocaux avec plein de monde là, avant, enfin, depuis qu'on est arrivé, quoi. Enfin, tout le monde troque des bocaux ici, donc. Ils troquent même les plantes. De toute façon, tout se troque. Je vous ai déjà dit, tout se troque. Tout se troque ou tout se donne. Sauf les enfants. Ouais, sauf les enfants. Les enfants, les animaux, ils troquent pas. Tiens, les enfants, ils troquent pas. Presque tout se troque. Wow. Donc voilà. Enfin bref. Ouais, du coup, ben ouais. Enfin bref, bon. Non, mais on va faire les bocaux demain et puis après on verra où est-ce qu'on ira. Bon, on a une petite buanderie là-bas derrière. Hein. Tant pis, on les mettra dans des caisses dans la buanderie. C'est tout, hein. Ouais, mais sinon je mettrai 3 planches au milieu de sous le passe-plat. Ouais, on verra. Bon, enfin bref, on verra comment on peut ranger ça. T'as d'autres choses à ajouter? Non, fatigué. Bah, t'as fait quoi au jardin? T'as fait quoi aujourd'hui en fait? Ah, oui, on a fait, on a planté des haricots, des épinards, des salades. T'as fait les espèces de tipis surtout? Ah, oui, j'ai fait des tipis en fait. Je fais. Vu qu'on met des haricots grimpants, en fait, on fait 3 piquets qui se touchent comme ça, puis on fait partir des haricots sur les 3 pieds. Ouais, alors du coup, quand les filles ont vu ça, j'ai dit, ah, mais nous aussi, on veut un tipi. Pour faire une cabane, eux, par contre. Hein, ouais, pour faire une cabane. Mais moi, je remettrais bien dans le coin, là où il y a les bambous tout au fond du jardin, avant les marches. Ouais. Le tipi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, on prend deux machins, on met dessus, ouais, je vois ce que tu veux faire. Tu sais, il y a l'espèce de petit arbre, après il y a le. Il oui, y a les bambous là. Au moins elles sont à l'ombre et on les voit quand ils jouent. Ouais. C'est ultra qu'elles veulent faire des singes là-bas ou des bambous. Ouais, et puis au moins elles seront pas près de la rivière en fait. Elles seront sur le côté haut du jardin. Enfin bref. Bon, on va y réfléchir. Bon, en tout cas, elles veulent un tipi, mais un tipi d'indien pour se cacher, pour aux indiens, vous comprenez. Ouais. Le tipi pour moi, je n'ai rien à faire. Ouais. Bon, elles t'ont quand même aidé à faire les tipis. Elles étaient contentes. Et puis on a fait un petit truc en bambou, c'est trop chouette. Ben, faudrait qu'on vous filme quand on y retournera. Parce qu'en fait, on a fait un espèce de petit carré bambou avec Lilou pour planter son basilic. Et Lola, elles sont marrantes, elles ont planté le basilic. Elles mettaient bien un petit doigt dans la terre pour bien me planter le petit bout de basilic. Parce que vous savez, on les avait fait pousser dans des gros. Enfin, dans des godets à semis, on va dire. Enfin, des bacs à semis. Puis là, on les a séparés du coup.
Et moi, j'ai séparé tous les basiliques aujourd'hui et du coup, j'ai dû les mettre. Je les ai mis dans des bouteilles de jus de fruits ou des bouteilles de plastique coupées parce qu'on n'avait pas de godet. Enfin, on en a presque pas, on doit en avoir 5 ou 6. Et du coup, le basilic, il a tellement bien pris que voilà. Les betteraves, on les a plantées aussi parce que ça avait super bien pris, on les a mis en terre. Et là, il reste la salade que je voudrais éclaircir, celle du bac. Et bah, je vais la mettre dans deux bacs en fait pour l'instant. Ouais, les betteraves, on les a mis, on en a fait des tipis et on les a mis au pied à l'intérieur comme ça. Puis on va essayer de se trouver une bâche de peintre là, transparente. Comme ça les protège en dégelé. Ouais, enfin bref, voilà. Et ouais, les salades en fait, je peux mettre dans le bac du basilic où il n'y a plus de basilic. Ou alors je prends une jardinière et je les mets dans la jardinière. Pour les reséparer, là, faudrait les reséparer, elles sont Il faut trop. aller repiquer. Enfin voilà, on va repiquer les salades aussi, c'est prévu. Les carottes aussi. Ouais, il y a les carottes qui ont poussé En fait, aussi. on a tout qui a poussé à la maison déjà. Alors... On a déjà tout qui a poussé, du coup, non mais c'est bien puisque vu qu'on a eu le jardin super tard. Au moins enfin, on n'est pas trop en retard quand même, quoi. On pourra manger d'ici quelques temps, quoi. Enfin là on a planté les radis normalement d'ici 15 jours à peu près on devrait commencer à les ramasser. Ouais, faut bien les arranger aussi. 15, 16, 17, 18, ouais 18 jours et 10. Enfin bon bref. Donc voilà, d'ici le 20 mai on pourra commencer à manger des choses on va dire. Normalement. Mais bon voilà, ouais il faudra les arroser de temps en temps. Comme les haricots là-haut, il faut les arroser aussi. 3 jours qu'on dit. Bah ouais. Ah mais bon on a couru toute la journée quoi, c'est pas comme si on faisait rien. Entre hier et aujourd'hui, on s'est tapé les courgettes, on s'est tapé le jardin, on a tout fait quoi. Sérieusement, le jardin, en 2 jours, on a tout retourné le jardin quoi. Refait les marches Lui d'escalier. avec qui on partage le jardin, il dit à Ludo, non mais vous devriez me laisser, je vais faire quoi? Faut arrêter, faut que j'en fasse un Ouais, il a dit, faut arrêter, je devais participer aussi un peu. Bah ouais, mais lui, il peu. travaille la semaine, nous, on y a été 2 fois, ben voilà, hein, écoute, on y était mercredi Et et aujourd'hui? aujourd'hui et hier. Non, pas hier. On est allé 2 fois. Ouais bon, on était mercredi aujourd'hui et le jardin, voilà. Il y a déjà bien du mal de fait et on a même commencé à planter nos choses. Donc c'est très bien. La semaine prochaine, si vendredi, c'est un nouveau congé. Ouais, non, on était le jeudi aujourd'hui. Ouais, jeudi. Ouais, oui, jeudi soir parce qu'elles ont été après l'école en ligne. Ouais. Enfin bon, bref, la semaine prochaine, on y retournera certainement mercredi et vendredi, je pense. Comme ça, ce sera bien. Après, on n'y va pas tous les jours non plus. Moi, je veux pas que ça devienne une corvée d'y aller. Toi non plus. Bon, et puis non. franchement, si on y va une ou deux fois par semaine et qu'on s'y met bien, voilà quoi. Voilà. Bon, après, peut-être qu'on ira de temps en temps pour flâner là-bas, quoi. Pour bronzer, pour prendre l'air, pour boire un coup, Mettre un pour faire hamac une là-bas au milieu des goûter. bambous. Ouais, on aimerait bien mettre nos hamacs. Vu qu'on peut pas partir en camping, les hamacs ils serviront pas. Mais ils sont dans la voiture, les hamacs. Les deux? Bah oui. Oh, oui. On les avait pas enlevés. Je crois que un oui. Tu crois qu'il y en a un qui est là? Oui. Bon, je sais pas. Enfin, je sais pas Sinon, si. tu peux en faire un macramé. Bah si j'avais de la ficelle, ouais, parce que j'aimerais bien refaire des macramés pour prendre des fleurs. J'ai pas de fil. Enfin, bon, bref. Du coup voilà. Du coup ah oui j'ai eu le mail des maîtresses aussi, je sais pas si je vous ai dit. Oh, pour savoir. Ah je m'excuse, si on mettait les enfants et tout à l'école, donc j'ai répondu non. J'ai reçu un autre mail en disant qu'il fallait remplir une fiche avec le nom des parents, le prénom des parents, le nom des enfants, le prénom des enfants, la classe des enfants. Si je marquais j'autorise. J'autorise à reprendre l'école. Je n'autorise pas à reprendre l'école. Je ne suis pas favorable à ce qu'elle reprenne l'école. Je suis favorable, tatatitatata. Et pour la cantine scolaire, et pour la garderie du matin, la garderie du soir, le mercredi matin, le mercredi après-midi. Enfin, ils nous ont renvoyé une fiche toute détaillée et ils ont dit que c'était pour l'inspection académique. Enfin, bon, bref. Donc voilà, j'ai tout re-rempli cette fiche détaillée pour Lucie, Lilou et Lola. J'ai envoyé ça aux deux maîtresses et j'espère qu'elles ne vont pas nous redemander encore 50 fois de leur envoyer des mails et des papiers pour la même décision par eux.
Parce que j'avais déjà répondu à un autre mail. En plus, à chaque fois, ils nous disent c'est urgent, faut répondre avant lundi. Lundi là, 2. Non, 3, 4. Avant lundi 4, quoi. Enfin, bon, ils sont gentils, mais au bout d'un moment, ça va, quoi. On va pas. Enfin, voilà, non. On va pas envoyer 10 000 fois la même chose pour dire qu'on a pris notre décision. On a pris une décision, on a pris une décision. Point. Voilà. Donc voilà, voilà. Bon, du coup, je sais pas, Ludo, il a été voir Lola. Je sais pas s'il va redescendre. Je vais vous laisser là pour ce soir. De toute façon, je suis crevé comme vous pouvez voir. Pour toi, il est pas très tard. Hein. Je sais pas quelle heure il est, mais il est pas très très tard. C'est pas minuit, 1 h pour une fois. Mais bon, voilà, je suis fatigué quand même. Et puis, en même temps, aujourd'hui, j'ai aussi trouvé le temps de répondre à tous les commentaires là, juste avant de faire le retour du vlog. Donc, voilà. Les filles, franchement, les grandes, on les entend pas. Là, elles sont déjà couchées, à mon avis, elles dorment. Ça leur a fait du bien aussi, je pense, d'aller au jardin. Ça les a fatiguées. Du coup, ben voilà. J'étais en train de dire au revoir que je pense qu'on va s'arrêter là, parce que moi, je fais que bailler. Du coup, c'est pas... Ah, ben, au revoir. Je sais pas. Tu vois, moi, j'ai... T'as autre chose à ajouter? Bah, je sais pas, vous êtes dans l'été, ce que t'as dit, du coup. Bah, du coup, j'ai dit que j'avais encore reçu un mail de la maîtresse pour l'inspection qui est académique, et qui me saoulait que j'allais pas répondre 10 fois la même chose pour dire qu'on avait pris notre décision. Alors, il faut savoir que il y a plein de maires qui prennent des arrêtés en disant je mets personne à l'école, je veux personne à l'école. Il y a des préfets, il y a des présidents de région qui disent non stop, on arrête les conneries. Et ils viennent nous embêter pour ouais, bah oui, non mais voilà. On a envoyé des mails pour que la directrice soit au courant. Et après, il faut envoyer un mail pour inspection académique. Bah maintenant, ça suffit, ça va, on a pris notre décision, ils vont la respecter. Et... Surtout, ils vont arrêter de nous demander des trucs tous les 3 matins. Bref. On n'a pas demandé aux gens de retourner à Tchernobyl. Oui, voilà, enfin bref. Enfin, voilà. Enfin, je vais... Non, je vais arrêter parce que je vais m'énerver. Bah oui, c'était pas de ça qu'il fallait qu'on parle. Après, on va s'énerver et tout, c'est pas marrant. Donc voilà, oui, je disais, les filles aussi, ça leur a fait du bien d'aller au jardin. Même si les jours, c'était fatigué ce soir. Et Lola aussi. Ouais, Lola aussi. Là, elle chouine parce qu'elle est fatiguée d'ailleurs. Elle chouine comme ça quand elle est fatiguée, ouais. Généralement. On va pas tarder de s'endormir. Bon. Enfin, voilà. Et du coup, Lola, on l'a fait manger même avant nous parce qu'on la voyait à table qui commençait à s'assoupir. On s'est dit tout à l'heure, elle tombe de sommeil et puis elle aura rien mangé et tout. Du coup, je dis, Lola, tu veux manger tout de suite? Nous, on avait les courgettes et tout à finir. Du coup, on a mangé un peu plus tard. Bon, on a des horaires un peu décalés hein, depuis qu'on est en confinement. De toute façon, voilà quoi. Moi, je lève pas forcément les filles le matin. Moi je me lève de bonne heure parce que c'est comme ça, c'est dans mes habitudes. Mais les filles on les lève pas forcément et voilà. On respecte pas forcément les horaires qu'on a quand elles sont à l'école. Depuis que je suis à l'arrêt avec le confinement et tout, je suis tout décalé. Ouais c'est ça. Je me couche c'est 3-4 heures le matin, je me lève c'est 9 h. Ouais 10 h. Ouais, 10 h. Bon, enfin bon bref, voilà. Voilà, voilà. Bon après on verra, mais bon. Pour l'instant, c'est pas dérangeant. De toute façon, enfin voilà. Voilà, voilà. C'est tout? Ouais, c'est tout. Bon, et ben c'est tout. On vous souhaite, ben, portez-vous bien. On vous dit bonne soirée et à bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Au revoir.